Électromécanicien de formation, cet apprenti est entré à la STIB il y a 4 mois. Plus que 2 avant la fin de sa période d'essai, chaque jour, il savoure son choix. Ça touche un peu à tout, donc c'est pas mal. En plus, on a une bonne ambiance, donc de bons collègues. De bonnes perspectives de carrière aussi. Ces bonnes perspectives de carrière sont plus que jamais d'actualité. La STIB a annoncé le recrutement en 2014 de 1000 nouveaux collaborateurs. Si l'on tient compte des départs à la pension, le personnel devrait augmenter de 5 à 6% pour atteindre les 7560 travailleurs. Parmi les postes à pourvoir, environ 400 chauffeurs, 300 employés et 160 ouvriers. On a en tout à la STIB plus de 200 métiers différents qui vont du conducteur en passant par les électroniciens, électromécaniciens, des ingénieurs également, du personnel administratif. On a toute une série de profils chez nous, donc il y a de l'emploi pour beaucoup de monde. D'autant que nous avons de très gros projets, des projets qui sont très motivants aussi, comme le développement d'une ligne de métro vers le nord, comme l'automatisation du métro par exemple, ou des prolongements de lignes. Ça fait 5 ans que je travaille dans le privé. En 6 mois, j'ai jamais appris autant qu'avant. En 2013, la STIB a reçu 16 000 candidatures. Les candidats sont donc nombreux. Reste à trouver des profils motivés, compétents comme celui d'Adrien, mais aussi des femmes encore minoritaires au sein de la société de transport.